Allez, voilà les gars, voilà, je suis là et on va continuer pour en ce qui concerne la bouffe de Hausberg. Voilà, on va essayer de continuer et terminer. Voilà, donc c'est la deuxième partie et je vais mettre en description le lien de la première partie. Comme ça, ceux qui viennent juste de voir cette vidéo pourront aller aussi voir la première partie avant de pouvoir suivre cette vidéo. Donc, il y a d'autres personnes aussi, il y a d'autres étudiants qui m'ont envoyé des messages qui ont un peu, disons, réussi à pouvoir le faire, voilà, à pouvoir postuler sans la deuxième vidéo. Et pour ceux aussi qui attendent, il faut juste remplir ici, une fois que vous ouvrez l'application, vous remplissez ici le nom. Moi, j'avais déjà enregistré, c'est pourquoi vous voyez toujours ces éléments-là. Vous mettez l'email et le password et voilà, c'est tout. Vous vous connectez pour pouvoir continuer. Donc, on va aller pouvoir continuer. Donc n'oubliez pas, laissez-moi un pouce bleu et puis mettez en commentaire si vous n'avez pas grand-chose à dire. Mettez merci, c'est pas mauvais. Voilà, nous en avons besoin. Donc voilà, donc si je me rappelle très bien, j'avais choisi deux universités. Il y avait une université qui était payante, c'est-à-dire par rapport aux frais. Et puis il y avait une première université qui était gratuite. Je crois que celle-là, elle était payante. Voyons voir. Cette université était payante, je crois. Ça, c'est bien. Ici, c'est quoi? Rolling Admission. Ici, c'est les 5 premiers mois. Ici, c'est déjà passé. Voilà. Ça, c'est déjà passé. Voilà. Donc, ça, c'est déjà passé. Et puis. Il y a une somme à payer de 25 dollars lorsque vous finissez. Donc, nous on était sur cette université là. Voilà, donc on va continuer et on va terminer. Alors, on était dans Dashboard ici. C'est ici que vous allez voir les résultats. Voilà, donc. C'est comme votre boîte email, vous allez voir les résultats ici. Donc ici My College, après ça comme mon application, donc c'est ici qu'on était. On remplissait les éléments qui sont là. Donc je dois vous rappeler que pour faire ce test en anglais, il y a déjà un élément en ligne que vous pouvez faire votre test pour ceux qui pensent ils sont bien en anglais mais qui n'ont pas de certificat. Ils peuvent passer par là aussi pour avoir un certificat pour pouvoir postuler. Donc on avait fini avec family, profil. On est sur family, je crois. Vous voyez, tant que le crochet qui est là en vert n'apparaît pas, ça veut dire que c'est pas encore fini. Voilà, mais je ne peux pas tout remplir parce que c'est vraiment, il y a assez d'éléments, il y a vraiment assez d'éléments. Donc par exemple, ici, comme ça, pour le parent 2, je devais remplir, mais je n'ai pas fini de remplir parce qu'il y a trop d'éléments. Vous comprenez? Mais comme je suis là pour une deuxième vidéo, on va essayer de pouvoir tout remplir pour pouvoir postuler pour que tout le monde puisse voir. Donc, pour le parent 1, on avait pris le père, et pour le parent 2, vous pouvez mettre par exemple comme ça: I don't have another parent to list. Vous comprenez? Si vous mettez I don't have another parent to list, déjà ils vont fermer la partie. Voilà. Ou bien I have limited information about this parent. Vous comprenez? Donc vous pouvez fermer ici. Voilà. Et puis vous avancez. Vous fermez là, vous avancez. Voilà, je crois que ils doivent cocher pour que, parce que vous n'avez pas d'autres informations. Vous avez déjà mis un parent qui est le père. Le reste, vous voyez, ils ont coché. Ça veut dire que c'est pas grave. Vous n'avez plus de parents à lister. Donc c'est bon. Ok, donc family c'est coché. Vous voyez là, family est déjà coché. Ça veut dire que family c'est bon, c'est fini. Maintenant ici, Cybring, specify number of Cybring you have. Donc je vais mettre en français comme ça, on va mieux se retrouver. Ok, veuillez préciser le nombre de frères et sœurs que vous avez. Les deux combinés, vous pouvez mettre 3. Si vous mettez 3, vous allez devoir encore remplir tout ça. Donc on va mettre une personne. Voilà, pour ne pas perdre le temps, on va mettre une personne. Ok,
Donc, pour une personne, je vais prendre par exemple comme ça le frère. Le frère, c'est quoi? C'est son prénom. Je vais mettre comme ça. Ça. Et le nom aussi, c'est quoi? Le nom de famille. Et l'âge, je vais mettre par exemple 15 ans. Donc, relation frère. Ok. Niveau d'éducation, on va mettre comme ça qu'il est au secondaire. Voilà. Et on continue. Ok, maintenant nous arrivons sur éducation. Éducation, on dit école secondaire, lycée actuel ou la plus récente. Ok, donc si nous venons pour la licence, ça veut dire que nous avons fait le baccalauréat. Donc on a chez notre lycée où nous avons fait le baccalauréat. Donc on va essayer de chercher. Ok, donc le nom de l'école, on va prendre en fonction de la ville. Ok, et on va chercher en mettant comme ça. Lycée lycée classique, voyons voir. Lycée classique, vous mettez, vous complétez. Moi, je vais mettre lycée classique Abidjan, mais donc vous mettez pour vous. Lycée quoi du Cameroun, lycée tout ça, vous mettez comme vous voulez, voilà. Et j'avance, voyons voir. Lycée Santa Cruz, voyons voir. Country, région, high school name, je vais prendre ici high school name. Lycée classique. Ou bien lycée municipal de Kumasi. Vous pouvez mettre comme ça que vous pouvez mettre comme ça. Ok, donc ici année, vous pouvez faire donc comme un CV. Année, année, voilà. Donc vous mettez pourquoi est-ce que, donc le pourquoi est-ce que vous avez quitté. Le pourquoi est-ce que vous avez quitté le lycée en 2013-2016, vous mettez obtention du diplôme de BEPC. Voilà, c'est un peu ça. C'est ce que je voulais vous montrer ici, mais moi je ne vais pas terminer. Voilà, donc vous terminez à votre manière. Donc, on va continuer. Ok, si vous avez déjà suivi des cours dans un collège ou une université, veuillez indiquer le nombre de collèges et d'universités. Ok, on va mettre 0 pour avancer. Voilà, maintenant si vous avez eu à avoir des cours dans un collège et université, vous les mettez. Voilà. Taille de la classe et de finissant. Rapport de classement de classe. Hexa, décile, quintile, quartile ou rien. Donc, en ce qui concerne les notes, voilà. Pour. Je vais mettre en. La traduction n'est pas bien faite. Je vais mettre en anglais, comme ça, on verra. Writing class size. Donc, ici, c'est le nombre de personnes de la classe. Voilà. Taille de la classe, définition, ouais. Le nombre de personnes de la classe. En terminale, vous étiez combien? En terminale, la série C, on était, je crois, 28.
Voilà. Et rapport de classement de classe, voilà. Vous avez été parmi, par exemple, la classe a bien travaillé, je vais dire, en ce qui concerne les moyennes. Voilà, si c'est, vous avez dit de moyenne, voilà, vous pouvez mettre. Donc, ici, rang décile, vous mettez l'option top 20 ou bien top 50, c'est top 70. Ok, pondéré par an, non pondéré. Voilà, et rapport sur l'échelle GPA. Sur cette GPA, c'est sur 20. Ok, donc GPA cumulé. Vous pouvez prendre comme ça. Ok, pondéré GPA. Non, pondéré. Ok, et on continue. Ok, nous sommes ici. Un instant que je vérifie. Ok, veuillez énumérer tous les cours que vous avez suivis cette année universitaire. Si vous n'êtes pas actuellement inscrit, veuillez énumérer les cours de votre année universitaire la plus récente. Combien de cours souhaitez-vous déclarer? 5. Voilà. 5. Veuillez sélectionner le système planification de cours que votre établissement utilise. Voilà, si c'est, vous avez fait le semestre ou bien le trimestre, voilà, vous prenez. Si c'est trimestre, ils vont mettre 3. Si c'est semestre, c'est 2. Donc, je choisis semestre. N'oubliez pas, si vous faites le trimestre, choisissez trimestre. Voilà, si c'est semestre aussi, choisissez semestre. Voilà, donc, moi, je choisis par exemple semestre parce que je dois vite remplir pour. Je dois vite remplir pour finir cette application. Vous comprenez, il y a plusieurs cours, vous voyez. Voilà, si je mets 5, il y a vraiment, il y a assez de coups. Donc, titre du premier coup, on va mettre comme ça. Ici, je vais mettre comme ça. Mathématiques. Voilà, titre du premier coup, mathématiques. Et n'oubliez pas aussi ce que je voulais vous dire, c'est que vous devez remplir tous ces éléments en anglais. N'oubliez pas qu'à la base c'est en anglais. Voilà, donc comme c'est en français, je le fais en français parce que le site est en français. Et puis tout, il y a plusieurs abonnés qui apprennent en français, donc c'est pour cela. Sinon en mathématiques c'est comme ça. Voilà, et puis le cas échéant, c'est quoi? Standard, voilà. Vous mettez standard. Horaire de cours. C'était au premier semestre aussi, et puis au deuxième semestre. Ou bien voilà, année complète. Voilà, année complète. Donc, ok. Ensuite, titre de cours numéro 2. Je mets comme ça, anglais. Ok, standard, et c'était quoi? C'était au année complète aussi. Titre de cours numéro 3, physique. Ok, standard, année. Aussi année complète, ça veut dire toute l'année nous avions fait la physique. Ici je mets ici peut-être biologie.
Voilà. Et ici aussi, standard. Et année complète aussi. Le cinquième cours, je vais prendre par exemple. Le cinquième cours, je prends par exemple philosophie. Voilà. Standard. Et aurait année complète. Voilà. Donc, on continue. Ok. Souhaitez-vous signaler des distinctions liées à vos réalisations académiques? Donc, ici, si par exemple vous avez eu des diplômes de distinction, c'est-à-dire les Olympiades, ou bien vous avez été primé lorsque vous avez été meilleur élève de votre section et tout ça, vous mettez 8 et vous dites si il met 8, vous allez voir, il va mettre des éléments. Voilà. Si il met 8, il va mettre des éléments. Alors, si c'est non aussi, vous mettez non et vous avancez. Vous comprenez? Ok. Je crois que aujourd'hui je vais pouvoir finir ça pour passer à une autre bourse. Indiquez le nombre de programmes ou d'organismes communautaires qui vous ont fourni une aide gratuite. Il n'y en a pas. Voilà. Donc on continue. Ok. Plan futur, intérêt professionnel. Qu'est-ce que vous voulez devenir? Qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie plus tard? Et quel est le diplôme le plus élevé que vous voulez obtenir? Donc, que voulez-vous devenir plus tard? La liste est là. Voilà. Si vous voulez être businessman ou bien chimiste, vous voulez être, voilà, on va prendre computer, programmeur et analyste. Voilà, c'est ce que je fais. Ici, diplôme le plus élevé que vous avez l'intention d'obtenir, c'est quoi? C'est doctorat. Voilà. Donc, on continue. Ok. Donc ici, en plus d'envoyer les rapports des résultats officiels requis par le collège, souhaitez-vous déclarer vous-même les résultats ou l'état des tests futurs pour l'un des tests standardisés, tac, 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 si j'ai fait l'académique, non. Voilà. Ici, on vous dit la promotion au sein de votre système éducatif est-il basée sur le thème? Donc ici, vous mettez non. Voilà. Mais néanmoins, n'oubliez pas, lorsque vous allez faire le test en anglais là-bas, le ce que vous allez avoir, vous allez pouvoir envoyer. Mais et ce que je voulais vous dire, on va mettre par exemple comme ça ici, oui, et vous allez choisir l'élément que vous allez envoyer, c'est-à-dire le test qu'on va faire. Indiquer tous les tests que vous souhaitez signaler. Assurez-vous d'inclure les tests que vous prévoyez de passer en plus des tests. Voilà, donc nous on va prendre par exemple les tests qu'on devait faire. Test académique PTE, test, voilà, test des matières. On voit, quand je bug un peu. Ok, donc je vais enlever ça. Voilà. Test ACT. Le test qu'on va faire là-bas pour leur envoyer, voilà, vous mettez ça là. Candidats internationaux, la promotion au sein de votre système éducatif est-il basée sur des examens de fin d'études standard donnés à la fin du premier? Donc c'est oui. Voilà. Voilà, donc on continue. Test, nombre de scores passés que vous souhaitez rapporter. Pour l'instant, on n'a pas encore eu de score. Nombre futur de séances attestées que vous souhaitez, vous prévoyez. Nombre de séances 2. Ouais. 2. Date de test futur. Voilà, donc si vous prévoyez par exemple, après avoir fini de faire ça,
Je vais vous montrer comment est-ce que vous devez postuler, vous devez faire le test. Si vous pensez que c'est aujourd'hui que vous allez le faire, voilà, vous mettez aujourd'hui. Si vous pensez que c'est quand vous allez le faire, vous le faites. Voilà, mais n'oubliez pas, la date limite c'est le 15 juillet. Donc vous allez mettre juin. Voilà, juin 2021. Donc c'est ce mois que vous allez le faire. Voilà, donc. Et ici, on nous dit quoi? Prochaine date de test 2 en juin aussi. Voilà. Donc vous allez faire les deux tests en juin. C'est ce qu'on a mis. Si vous voulez, vous mettez un seul test. Voilà, ça va se réduire à un seul test. Et vous allez faire le seul test avec les éléments qui se trouvent au menu pour pouvoir leur envoyer. Voilà. Donc, nous continuons. Examen de fin d'études secondaires. Nombre d'examens de fin d'études secondaires que vous avez déjà passé. Examen de fin d'études secondaires. Vous avez passé. Si vous avez passé deux fois, vous mettez deux fois. Voilà. Si vous avez passé une fois, vous mettez une fois. Donc, date à laquelle vous avez passé. Date à laquelle vous avez passé l'examen, c'était en 2000, fin d'études 2020. Vous avez passé l'examen en peut-être août ou bien juillet, en mai. Voilà. Commission d'examen, c'était quoi? Baccalauréat. Voilà. Vous avez fait le bac. Sujet académique. Donc c'est mathématiques et physique. Si vous avez fait la série C, la série C, mathématiques et physique, la série D, mathématiques et biologie, la série A, c'est quoi? Littérature, sciences littérature, c'est sciences mathématiques. Mathématiques. Donc vous mettez mathématiques et physique, mon clavier déconne un peu, donc ok. Donc mathématiques et physique, donc l'option c'est quoi? C'est mathématiques. Ok. Type de note réelle. Ici c'est mathématiques. Je vais mettre ça en anglais pour que. Ah, le score. Donc, vous avez eu par exemple. Si c'est 400 sur 400, 400 points. Voilà. Si vous avez eu par exemple un 230 sur 400, vous pouvez mettre ça aussi. Ou bien 230. Voilà. Donc, ici le score 230, voilà, sur 400 peut-être. Et score type actuel, ouais, c'est ce que vous avez actuellement. En avance. Ok, donc n'oubliez pas, voilà, maintenant pour ceux qui ne vous comprennent pas et qui veulent qu'on postule pour eux, ils peuvent nous contacter inbox, voilà, on va essayer de les aider pour pouvoir postuler parce que il y a tellement de choses à faire, il y a assez de choses à remplir. Reporting activity can help college better understand your life outside hour of the classroom. Example of activity might include. Donc ici, do you have any activity that you wish to report? Non. Si vous mettez oui, vous devez choisir ces éléments-là et puis, ou bien vous mettez et voilà. On avance. Ok. Donc, some college require substitution. Submission of the personal essay with our comment application. Je vais mettre en français comme ça. On va s'en sortir. Certains collèges exigent la soumission de l'essai personnel avec votre application commune. Vous pouvez soumettre un essai personnel à n'importe quel collège.
même s'il n'est pas requis par ce collège. Si ce n'est pas requis par un collège, vous aurez la possibilité de, lors de la soumission, d'inclure ou non votre essai de ce collège. Donc, voici la liste actuelle sur votre bureau de bord. Nous, c'est celui-là qu'on a fait. Donc, ici, certains étudiants ou des antécédents, une identité ou intérêt, un talent ne signifie pas. Ça, on avait déjà appris ce qui est là. Voilà. Et vous rédigez ici ce que vous choisissez. Les leçons que nous tirons, les obstacles que nous rencontrons, ça on avait déjà rempli, qu'on avait commencé, si vous vous rappelez très bien. Voilà, donc je vous avais dit ici, de une fois que vous choisissez par exemple comme ça, un élément ici, ici par exemple, moi j'ai choisi celui-là, les leçons que nous tirons, les obstacles que nous rencontrons peuvent être fondamentales pour le succès ultérieur. Racontez un moment où vous avez fait face à un défi, un revers ou un échec, comme cela vous a été affecté, comment cela vous a été affecté, vous a-t-il affecté et qu'avez-vous appris de cette expérience. Voilà, moi j'avais choisi cela pour vous dire que quoi, si par exemple vous avez fait l'échec par exemple en troisième ou bien en terminale, voilà, vous le dites ici, voilà, j'ai échoué aux examens en troisième, cela a eu des impacts vraiment sur moi, une dépression et tout ça, mais après cela vous avez compris que c'est ce que vous écrivez, si vous essayez d'expliquer un peu, voilà, mais après cela j'ai compris que je devais redoubler d'efforts et que la confiance pouvait détruire, l'excès de confiance pouvait nuire à la réussite. Voilà, vous écrivez tout ça ici, et puis vous continuez. Voilà, vous voyez ici, ils ont demandé 249, donc si vous n'arrivez pas à 250, ils vont pas valider votre essai. Voilà, donc n'oubliez pas, et ici aussi, on avait déjà rempli, voilà, on avait mis, je crois, non, donc on peut avancer. Ok, ici aussi on avait déjà rempli. Souhaitez-vous partager quelque chose à ce sujet? Non. Souhaitez-vous fournir des détails? On a mis non. Si vous avez des choses à faire, voilà, vous mettez. Ok, donc après cela, pour les notes, ils avaient dit que c'est pas la peine. Cette section est requise par certains collèges. Pour les informations de cours, les collèges actuellement sur votre liste n'exigent pas que vous remplissiez la section cours et notes. Voilà, donc vous pouvez laisser comme ça. Donc, une fois que vous finissez là, vous allez dans recherche de l'université. Voilà. Ici, vous faites les recherches d'université avec les conditions et tout ça. C'est ici que vous faites vos recherches d'université. Vous choisissez d'abord ici avant d'aller faire, avant de venir dans le collège, vous venez remplir. Voilà. Ici, je vais voir aide financière et ressources. Renseignez-vous sur les aides financières. Le gouvernement fédéral, le département américain de l'éducation, 150 milliards, gna gna. Pour demander une aide financière, vous devez remplir ça. Application gratuite pour l'aide fédérale aux étudiants. Le gouvernement utilise ce formulaire pour donner de l'argent et vous aider financièrement dans vos études. Le formulaire est disponible à partir du 1er octobre. Ça, c'est bien. Le remplissez plutôt pour garantir votre pleine éligibilité. Ok, ça, c'est autre chose. Ok, donc dans les noms, vous voyez, dans les noms c'est bon, voilà, dans les noms c'est bon, et comme je vous l'ai déjà dit, une fois que vous finissez, vous, par exemple, candidature en cours, ici par exemple, je vais vous montrer un élément, pas toi. Nous on avait choisi celui-là, je crois. Ce qui est en bas, c'est pas la peine parce que la date limite est déjà passée. Donc nous on avait choisi celui-là. Voilà. Donc on a fait l'application commune. L'application commune, dans les normes, ils doivent ici, ils doivent aussi cocher. Donc voyons voir ce qui est là-bas. Voyons voir ce qui est ici. Note, tout est bien, tout est bon, tout est bon. Ok. Ici. Ok. Donc, ça veut dire que éducation, ils doivent cocher pour qu'on puisse, avant de pouvoir soumettre notre application, ils doivent cocher ça. Donc, nous allons vérifier où est-ce qu'ils n'ont pas, où est-ce qu'on n'a pas fini. Ici, peut-être, autre école. Autre
école et lycée. Ici, voilà, c'est ici. On doit remplir des éléments. Voilà, tout est déjà fait ici en bas. Ici, on doit remplir des éléments ici. Voilà. Vous remplissez, c'est de 1 à 250 mots. Donc, après cela, c'est fini. Lorsque c'est fini, maintenant, je vais aller, par exemple, comme ça, vous montrer un peu. Donc, on va voir l'aperçu. Ok. Donc, une fois que vous finissez, on va aller maintenant sur le bord de l'application. Voilà. Donc, l'application elle-même. Je vais essayer de dupliquer pour ne pas qu'on perde les données. Donc, on va repartir sur l'application pour vous montrer un peu les éléments qui sont là-bas. Donc, une fois que vous finissez, vous revenez sur l'application, vous voyez les éléments qui vous restent à remplir pour pouvoir postuler à cette bourse. Et il me renvoie de nouveau sur mon compte parce que je m'étais pas déconnecté. Ok, donc je vais reculer alors. Je vais reculer. Je vais reculer et voir. Je vais juste vous montrer sur l'application les éléments qui vous restent à remplir avant de pouvoir continuer. Voilà. Donc, je vais me déconnecter. Comme ça, je vais repartir sur les premiers éléments. Ok, donc comme je vous avais déjà dit, voilà, et pour pouvoir postuler pour le test d'anglais, donc je vais vous montrer un peu ce qu'il y a là-bas pour le test d'anglais. Je vais vous montrer un peu ce qu'il y a là-bas pour le test d'anglais. Donc une fois que vous finissez, par exemple, avec cette histoire de, une fois que vous finissez avec cette histoire de d'application en ligne, voilà, vous allez maintenant renouer avec tous les documents et envoyer. Vous allez renouer avec tous les documents pour pouvoir envoyer cela à l'université où vous avez choisi de postuler. N'oubliez pas. Donc on va essayer de voir un peu les documents qu'il faut pour pouvoir postuler. J'avais déjà dit ça dans le premier élément, dans la première vidéo. Donc je vais essayer de chercher et puis vous montrer les éléments que vous devez utiliser pour pouvoir postuler. Voilà, ici c'est quoi? Academic about.
voilà. Tout est ici. Ok, donc voici les éléments dont vous avez besoin pour pouvoir postuler. On avait comme ça. Ici, c'est pour le test d'anglais. Voilà, donc voici le test d'anglais dont vous avez besoin. Ceux qui ont TOEFL, ok. Et IELTS, c'est ok. Ceux qui ont les autres aussi, ok. Mais voici le test d'anglais dont vous avez besoin pour pouvoir compléter à vos dossiers et envoyer. Maintenant, ici, je vais vous montrer les documents que vous avez besoin pour pouvoir postuler. Voilà les documents dont vous avez besoin. Donc, remplissez la demande commune. C'est ce que nous venons de faire. Soumettre les relevés de notes officielles du secondaire et les résultats. Donc, voici un peu les éléments qui vous manquent encore. Donc, les relevés de notes du secondaire, les résultats d'examen et les feuilles de notes. Demandez une lettre de recommandation. N'oubliez pas cela d'un enseignant ou à un conseiller d'orientation. Fournir une preuve de maîtrise de l'anglais pour la preuve en ce qui concerne la maîtrise de l'anglais. Vous pouvez faire avec le test de Duolingo. Voilà, c'est un test qui est reconnu par plusieurs collèges et plusieurs universités là-bas aux États-Unis. Donc, le test, voici ça ici. Donc, pour le test aussi, vous allez venir faire un sign-up. Voilà, vous allez vous enregistrer. Lorsque vous finissez de vous enregistrer, vous passez le test ici. Voilà. Donc, take a test. Voilà, pour pouvoir faire le test, vous devez vous enregistrer. Donc, moi, je vais utiliser mon compte Google pour m'enregistrer. Voilà. Ou bien, pour ne pas prendre le compte Google, vous pouvez écrire l'adresse email là, confirmer et puis le mot de passe. Voilà. Mais j'aimerais bien utiliser. Bon, ok. On va aller normalement. Ça prend assez de temps, mais on va aller normalement. Donc, je prends ça. Ok, si je suis né en 2003, alors cela veut dire que actuellement, je dois avoir, par exemple, comme ça, 18 ans avec 2003. Donc, 18 ans. Et puis, le mot de passe, vous prenez votre mot de passe. Ok, donc on va essayer de faire next. S'il y a un souci, ils vont vous dire, donc c'est pas un problème. Donc, undergraduate university, donc c'est pour la licence, admission de la licence, ou bien master ou doctorat ici. Voilà, ou bien pour un travail. Donc, voici un peu. Donc, vous avez maintenant votre nouveau site. Pour ceux qui veulent passer des tests en anglais, vous pouvez venir là pour pouvoir les faire. Donc, nous, c'est licence, donc c'est le premier. Ceux qui ont le master, ils prennent graduate et doctorat aussi graduate. Voilà. Donc, ici, please select trois options: social media, Duolingo language learning application. Ok. How did you hear about the Duolingo test? Donc, comment est-ce que vous avez entendu parler du Duolingo test? C'est university request that I take the test. Voilà. Donc, l'université demande que je fasse le test avec vous. Donc, vous cochez ça et vous créez votre compte. Comprenez? Voilà. Donc, une fois que vous créez votre compte, maintenant, vous avez ici, voici, try et test. Vous comprenez? Donc, ici, vous devez essayer. Voilà. Vous devez essayer un test. Comment ça marche? Et puis, maintenant, quand vous allez finir de faire le test, vous allez faire quoi? Vous allez maintenant partir au test et je vous rappelle très bien que le test coûte 49 $. Voilà. Donc, une fois que vous finissez de faire le test et que vous l'obtenez, le certificat que vous allez obtenir, c'est quoi? C'est en 60 minutes que vous allez obtenir le certificat. Une fois que vous l'obtenez, get result in less than 2 days. Donc, vous allez avoir le résultat en moins de 2 jours. Une fois que vous l'obtenez, ils vont vous envoyer un message et vous allez venir faire un download. Vous allez venir télécharger.
Voilà, donc vous allez télécharger le certificat, vous allez ajouter à vos dossiers et vous envoyez au mail de l'université. Et le mail de l'université se trouve dans la partie qu'on avait déjà fait. Voilà, le mail de l'université se trouve ici. Voilà, je vous montre le mail de l'université. Comme ça, vous allez leur envoyer directement. Et je rappelle très bien, c'est pas vous qui envoyez le mail, mais c'est la personne chez qui vous avez pris la lettre de recommandation qui doit envoyer le mail. Voilà, donc le mail, vous l'envoyez ici. Regardez très bien ici. Voilà, voici le mail de votre université que vous avez choisi. Donc vous l'envoyez ici. Vous comprenez? Vous l'envoyez à l'adresse qu'elle a, par email, mais via le compte de votre recommandeur. Voilà, n'oubliez pas. Donc c'est un peu ça. Donc, merci de m'avoir suivi et puis essayez de partager aussi mes vidéos et puis essayez de vous abonner à la chaîne YouTube. Voilà. Merci beaucoup et à plus les gars. Donc c'était un peu ça, c'était Zamospita et restez toujours branchés sur la chaîne de Monsieur le Russo 225.